La deuxième édition du pèlerinage culturel vaudou, PQVO, a connu son lancement officiel ce lundi 9 janvier 2023 dans la commune de Kumasi. Ce rassemblement culturel aux noces de cuir prévu pour se tenir les 9, 10 et 11 janvier 2023 de façon rotative dans les communes de Ouida et Kumasi est placé sous le signe du vaudou, au cœur des créations et de la patrimonialisation au Bénin. Cet événement vise la promotion du patrimoine culturel matériel et immatériel. Cela vise également la promotion du culte endogène vaudou, particulièrement dans la commune de Kumasi, qui est une commune riche de son potentiel touristique et riche de son patrimoine culturel matériel que immatériel. Cette deuxième édition du PQVO offre l'occasion à tous les participants de vivre et d'assister à bon nombre d'activités, au nombre desquelles des expositions mythes et légendes du vaudou, des présentations de tableaux exprimant le fonctionnement du panthéon vaudou et la dégustation des mets locaux. L'organisateur de l'événement y a profité pour lancer cet appel à l'endroit des autorités. Cet événement marque un événement primordial pour la commune de Kumasi. L'appel que nous lançons ce soir est que nos dirigeants, nos hommes politiques à divers niveaux puissent soutenir un pareil événement pour faire de cet événement une aubaine de rencontre et de partage entre plusieurs générations et plusieurs peuples. Les populations autochtones de Ouida et de Kumasi, honorées depuis 2 ans de la tenue de cet événement dans leur localité, saluent les initiateurs et rappellent le soutien perpétuel dont ils feront preuve pour sa pérennisation. Notre héritage, ce qui est propre à nous, ne peut jamais s'éteindre. Nous sommes là aujourd'hui en l'honneur de l'un de nôtres, Insou Parfait, pour lui témoigner notre reconnaissance et notre soutien pour tout ce qu'il fait pour nous sur le plan culturel. Autant que nous sommes sur terre, chaque homme est né avec une divinité rattachée à lui. Pour organiser une fête ou pour commémorer une célébration vaudou, c'est souvent un long processus pour les dignitaires. Mais la journée du 10 janvier est une journée porte ouverte pour tout le monde. La deuxième édition du pèlerinage culturel vaudou, PQVO, se poursuit ces 10 et 11 janvier avec le même enthousiasme et l'objectif de l'ONG Jowamo, qui est de valoriser les patrimoines nationaux, artistiques, culturels et cultuels vaudous.